L'affaire a été mise en délibéré. Quel est votre sentiment par rapport à l'issue du procès Chakirou au tribunal, à la cour d'appel du littoral? Oui, il faut dire que ce matin, il n'a été question que de leur mise en liberté provisoire. Le fond du dossier, pour savoir s'ils sont coupables ou pas, sera examiné certainement à une audience ultérieure. Et nous avons de très grandes chances de les voir dormir chez eux ce soir. Et l'apport de la directrice exécutive du REDAC a été déterminant. Parce qu'elle est venue se porter elle-même garant de leur représentation en justice au cas où la Cour accéderait à notre demande de mise en liberté provisoire. Et on a beaucoup apprécié. Elle l'a fait aux côtés de la maman de Chakirou. Et je crois que ces deux-là sont des choses qui pèsent pour garantir leur représentation en justice et convaincre les juges de les mettre en liberté provisoire et de leur permettre de se présenter libres jusqu'à l'issue. Maintenant, l'affaire peut durer 2 ans, 3 ans, mais ils comparaîtront libres.